abordons donc la semaine 9, où nous allons voir les arbres généraux et ce qu'on appelle les S-expressions ou expressions symboliques, et voir effectivement le lien profond qu'il y a entre ces deux concepts. Et pour l'illustrer, nous écrirons un petit évaluateur d'expressions arithmétiques qui travaillera à la fois sur des arbres généraux et sur des S-expressions, et vous pourrez ainsi mesurer les différences qu'il y a entre ces deux styles de programmation.